Ça se joue sur, notamment sur un chapiteau, mais aussi sur le temps matériel que nous n'avons plus pour organiser la fête, du fait d'une annonce trop tardive de la part des services techniques de la ville pour pouvoir mettre à disposition ou non ce que nous avons demandé pour cette année. Le risque, c'est justement que nous nous retrouvons dans la situation des années antérieures, c'est-à-dire que la communauté, donc les Marseillais de confession musulmane, procéderont au sacrifice un peu d'une manière un peu clandestine, si on peut dire.